minutes devant, c'était bon. C'était un son répétitif mais agréable. De la trance. Lego trance. Ça y est, j'ai lancé le signal. Merci, bisous, joyeux Noël. Ding 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 ding. Ah ouais, alors je vais suivre le raid. Merci Fun Fan. Oh, de rien, de rien. Ouais, merci pour cette découverte ou redécouverte de Unreal. Ah bah merci à vous d'avoir participé. Désolé que le dernier mode a été un peu plus compliqué que les autres, mais ouais. Pas... Désolé, mais j'ai pas trouvé le moyen de mettre 30 images par seconde, du coup c'était à moitié le vomi. Mmh. Je me suis énervé, on a réussi. Ouais, c'est ça. La force encore, encore désolé pour les cris, vraiment. C'est juste que voilà. Non, je pars sur les bugs, les problèmes comme ça, quand c'est mal pensé, je pars au quart de tour. Mais... Ouais. Donc on se quitte sur ces dernières phases et on va chez le sage. Oui, Titi. Mais pourquoi il me dit Tomb Raider 4 alors que j'ai mis Lego World ? Dans un monde Lego. Ouais, franchement, c'est n'importe quoi. Mais les règles, ça, je fais n'importe quoi. Bravo. Non, mais il y a Tomb Raider dans Lego. T'inquiète. Ils ont modélisé Lara Croft, tu sais. Je sais pas si le raid est bien passé, apparemment. Oui, la le raid est mal passé. Mais non, il est bien passé, merci. Mais moi, j'avais fichu le. Pourquoi il m'a laissé Tomb Raider 4 ? J'ai validé Lego World. Pour commencer, des fois ça passe pas. Voilà, oui. C'est passé, c'est bon. Des fois, c'est. Faut pas comprendre. Oui. Ok, bon, bah, moi je vais vous laisser. Et bonne soirée à tous et bon réveillon pour ceux qui vont. Bon réveillon. Bon réveillon. Merci. Joyeux Joël. Joyeux Joël. Bisous à Réglisse. Ouais, d'accord. A plus. Ok, à bientôt. Salut les gars, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ouais, c'était bien. C'est un relais de chaîne. Merci. Je crée un monde. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Franchement, non. Merci tout plein à ceux qui font. Voyez comme ces magiciens utilisent leurs outils pour. Du coup, on reste sur la même vocale. Hein. Conjurer des messages. On est bien, on est entre nous. Ouais, après, s'il y a d'autres personnes, au pire, tu me tireras le pied sur ton serveur. Oui, on verra. Vu qu'on a un peu fait, tu crois pas. Oui. Alors, attends, j'ai lancé le générique. Oui, passer. Alors, tu as créé un monde, AJ, tu disais. Oui, alors, logiquement, pour rejoindre, je t'invite à. Merde. Bienvenue. C'était. Facebook en ligne. Et tu rejoins ma partie. Ou sinon tu vas directement sur mon profil sur Steam et tu fais rejoindre la partie. Ah oui, je veux bien faire par Steam, c'est bien foutu. À ce niveau-là. Mes copains. J'ai fait un monde tout plat. Comme ça on peut faire n'importe quoi. Rejoindre la partie. Ok. Voilà, je crois que le jeu a planté. Nice. Veuillez démarrer une nouvelle partie puis sélectionner un emplacement de sauvegarde pour pouvoir contacter le terrain en ligne. Alors, nouvelle partie. Eh ben, emplacement... Mais on avait déjà fait des... Oui. C'était quoi où on jouait ensemble ? C'est là où j'ai le plus de découvertes, c'est l'emplacement 2. Parce que l'emplacement 1, ça doit être mon solo d'il y a je sais pas quand. Alors, connexion en cours. Ah voilà, ça me dit que t'as rejoint. Ok. Moi j'ai un chargement qui se fait. La 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 li la li li la li loulou. Ah cet atterrissage. Oh mon dieu, cette planète inconnue. J'ai créé un monde tout plat pour qu'on puisse faire n'importe quoi. Ok. Et regardez, admirez mon beau personnage. Oui, il est beau. Il est bu, il est beau. Il est bu, qu'il est bu à beau. Oh mon dieu. Mais j'ai pas bu. Hein.
Voilà, le mercenaire avec la lunette électronique, là, du désert. Ouais, c'est bien. Alors, déjà, je veux faire foufou avec des véhicules. C'est rigolo, les véhicules. Ah, il y a plein de trucs, et franchement... Ah bah la classique moto de police. Tiens, tu veux ta moto de police? On fait la course. On fait la série américaine, Chips. Vas-y, attends. Je sais plus comment je monte. Oh l'autre est sur le balai. Merde, c'est quoi la touche Y? Ah c'est ça. Oh mon dieu. C'est n'importe quoi. Tiens ton balai. Oh, oh merde. Oh l'autre. Ah, assassin. Mais il est fou lui. Mais elle est trop bien la moto. Mais comment tu fais la... Oh bon. Comment tu fais la sirène sur, ah, oui. Sur quoi comme sur manette? Oui, manette. Tu, en fait, le bouton klaxon, alors moi c'est LB. T'appuies, c'est klaxon classique, et tu maintiens, c'est la sirène. Ah, c'est trop bien. Et on peut sauter aussi avec RB. Je fais n'importe quoi. Naomi qui vous dit: je tiens à rejouer à Lego World avec vous après Noël si le cœur vous en dit. Ah, oui, avec plaisir. Faudra qu'on s'en fasse une session de ça aussi. C'est sûrement le direct le plus débile de toute ma vie. Mais c'est Noël, on n'a rien à péter. Youhou. Tu fais des figures. Oh, je suis une roue avant. Non, presque. Bon, alors, d'autres âneries. Ah, mais. Blablabla. Outil découverte. Mais je m'étais fait un dessin avec les boutons correspondants. Il faudrait que je me le ressorte. C'est dommage, j'aurais dû le faire au propre. J'ai pas pris le temps. Ah, costume entier. Ah, tiens, oui, j'ai changé de costume. Guerrier troll. Et c'est trop con. Je suis un guerrier troller. Voilà. Qu'est-ce qu'il me tire? Mais il est fou lui. Cet homme est fou. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêt pour te dire. Non, je vais t'agresser en tracteur. Oh le. Oh le tracteur, il a volé. C'est n'importe quoi. Ce jeu est d'un débile, c'est génial. Mais non, mais fais pas ton timide en dans le tracteur, abruti. Ouais, merci. Oh, mais c'est... Oh, je me fais troller, là. Je veux mettre une citation. Oui. On me dit, à moi, ton modérateur, on me dit, votre message n'a pas été publié en raison de conflits à les paramètres de modération de la chaîne. Ah bon? Mais c'est alors, bizarre, si un ça. Modérateur... Je vais essayer, hein. Oui, c'est bizarre, tu devrais pouvoir mettre une citation. Ah non, ceux pas. Qui connaissent bien le hard rock remarqueront que mon personnage se déplace comme Angus Young d'ACDC. Mais je sais pourquoi ça n'a pas passé, je sais, c'est bon. Oh yeah. Non. Bon, mon avis c'est... Let's rock. Est-ce que ça va mieux passer comme ça? Non. Viens pas si je te laboure. N'importe quoi. Ah, c'est rigolo. C'était bien ça, Rock. Attends, j'ai d'autres choses. Oh mon dieu. Dommage, j'arrive pas à te mettre la citation. Oh. Tu m'étonnes, Fanfan. Ah ouais, on me dit votre maison. Bon, je vais peut-être relancer, hein, des fois. Oui. Peut-être Mako qui a...
Non, je veux pas. Pourtant, je veux juste marquer que c'est sûrement un des streams les plus débiles que je fais, mais on s'en fout, c'est Noël. Ah, pause. Je suis en train de me dire, c'est bizarre, je vois pas le chat bouger, tu m'étonnes, je suis resté sur l'onglet Fun Fan. Excusez-moi. Bon, je vais faire une citation débile, hein. Je veux juste voir... Luge du Père Noël. Bon bah je sais pas. Faut que tu la lèves, hein, j'ai mis une citation. Ouais. Sur le stream, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est... Mais vous êtes pas prêts. Oh, la voiture de sport. Ah. Ouais, je vois. Ah, si tu as mis comme moi, c'est par rapport... Ah, peut-être c'est moi qui est d'accord. Je vais le changer, je vais le mettre. Ça devrait passer. Voiture. Ce sera pas mot pour mot, mais je crois que... Voiture. Ah ouais, c'est vrai que j'ai dû... c'est vrai que j'ai dû faire bannir chez toi ou chez moi ou chez les deux, les on s'en fout. C'est vrai que je déteste cette expression, on s'en fout. Ah oui. Non, parce que en fait, j'aime pas quand les gens disent on s'en fout, parce que en général, ils parlent pour eux-mêmes, ils parlent pas pour les autres. Et c'est pour moi un avis un peu dictatorial, ça veut dire que c'est toi qui as décidé que tous les autres s'en foutent. Je sais, c'est un peu débile, mais... Non, c'est loin d'être débile, je comprends ton raisonnement. C'est une part d'égoïsme et t'embarques tout le monde dans ton jugement. C'est comme toi, tu es allergique à... je m'excuse, moi si on s'en fout. C'est ça, exactement. Non mais c'est... voilà. On a un autre truc. Oui, je conçois. J'arrive même plus à voir Edge en vue, en visuel. Il me rend fou là, je vais avoir la nausée à mon tour. Pour la citation, elle va te dire on s'en fout, j'ai dit c'est pas grave, c'est Noël et puis ça va passer. Oui. D'ailleurs, je déteste Benabar. Hein. Et Benabi. On s'en fout, on y va pas, on va se cacher sous les bras, toi ah, la sent. Télé, on va commander des pizzas. Rien que pour, parce qu'il commence par on s'en fout, donc tu aimes bien. La voiture caméra vient. Ah, la voiture caméra. Attends. Parce que c'est. Attends. Ah, oh, mais j'arrive plus à diriger le. Merdome. Mais non. Mais je m'en fous du skate. Bon, dans l'ensemble, quand même, sur Henry, donc c'est bien voilà. Éclaté. Oui, c'était bien. Bon, après, il faudrait que Nayone il paramètre mieux les bottes, parce que ce serait bien qu'on puisse faire des parties où on est certains dans des bottes et d'autres dans d'autres bottes. S'il savait paramétrer ça. Vas-y, utilise la caméra, que ça. Je crois que avec Nayone, je fasse des tests avec lui pour qu'on puisse faire des games, on puisse... Je sais pas, moi, par exemple, moi et AJ, puis... et Twinsen, et puis le Sage et Nayone et d'autres bottes, ça pourrait équilibrer. Comme ça dans des big matchs, ça serait bien qu'on puisse avoir cette variante avec les bots parce que c'est sympa nous contre les bots. Cette vidéo la plus débile au monde, c'est horrible. Non, TikTok, sur TikTok on trouve des trucs encore plus débiles. Oh, oui, malheureusement, j'ai envie de dire non, mais TikTok c'est horrible. J'y suis jamais allé, je veux pas y aller parce que. Alors, je vous donne mon point de vue qui est très cru, mais pour moi, TikTok est une abomination. Je crois que c'est sous pavillon chinois. Mais en fait, c'est surtout une plateforme qui est détournée de son usage premier. Et c'est là où il y a les pires prostitutions de mineurs. C'est abject. C'est le pire que notre société puisse faire. Ouais, mon Dieu. Pour moi, c'est... Faut que je dézoome, pardon. C'est la débilité de l'humanité, ouais. Quoi. Tu veux voir comment les humains sont débiles, tu vas sur TikTok. Ouais, encore, c'est plus que de la débilité, mais c'est horrible. Enfin, bref. Rien que le titre, déjà, tu sens que c'est une plateforme pour débiles. Oh, la lune, laisse-moi filmer la lune.
Et Guy, t'es pas obligé de répondre à cette question, mais est-ce que t'es sur TikTok ou est-ce que tu y es allé? T'as le droit de voter le Joker. Hein. Je déteste TikTok. Je sais que par exemple, l'ami Bastos est sur TikTok. Oui, pour les streams. Vas-y, je te filme. Mets quelques-uns de ses best-of. Je suis le plus mauvais réalisateur de films qu'on ait jamais vu. Le mec, il sait pas cadrer l'action. Ah, s'il y avait Twinsen, il te dirait que je suis pire. Oh, c'est beau, là tu t'envoles vers la lune. La magie de Noah. Je vais faire ça. Oh, ouais. Attends, je crois qu'il y a le chariot du Père Noël. Pour de vrai. Je regarde. Ne bougez pas. Papa Noël. Oh, c'est Mimi. Oh, c'est trop Mimi. T'es pas dans le champ, merde. On t'a perdu de vue. Appelez Jacques Pradel. Oh mon dieu. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Waouh. Attention, on septembre du Père Noël. Il est fou. Ce garçon est fou. Oh là, ouloulou, c'est trop lumineux. Au secours. Il y a la calèche qui fait. Yeah. Elle est en plein dans le champ. Ah, de la caméra, évidemment. C'est excellent. C'est n'importe quoi. C'est débile au possible. Oh, c'est beau. Cette féerie. Oh, cette éjection. Oh là là, l'atterrissage ninja. Merveilleux. Allez, à vous les studios. Coupez-moi tout ça. Ah, comment on quitte? Au secours. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu. Je suis perdu. Mais non, mais... Ah. Je sais pas comment on quitte le mode. Panic on board. Comment je fais, je piche pas. Je suis coincé dans la caméra. J'aimerais me barrer. Je sais pas comment on fait. Au secours, délivrez-moi. Je veux sortir de là. Arrête de faire l'idiot. Oh non, au secours. Mais c'est horrible. L'extincteur. Tiens, vas-y que je te laisse un coup d'extincteur. Le sage, t'as des nouvelles de Cybermatou? Il va bien? Voilà, Cybermatou, je m'en sers plus depuis un bout de temps. Non, mais c'est vrai en plus. De bonnes fêtes et qu'il y aura une litière bien propre. Oh oui, t'en fais pas pour lui, Yves. Mais sérieux, je suis bloqué dans le mode. Il y a des rêveurs qui disent que Cybermatou, c'est le chat de l'Escrito. On ne peut pas confirmer, mais bon. Mais Edge, dans le jeu, tu me vois comment? Tu me vois en train de bouger ou tu me vois inerte? Je te vois en train de bouger, là t'as un extincteur, tu fais des roulades. Vous avez vu? Il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il y a? Bah, si vous regardez ce que je diffuse. Attends, je regarde. Ah là là, c'est horrible. Voilà ce que je suis. Comment voulez-vous que je joue? Je suis resté en mode caméra. Oh là là. Bah au pire tu relances le jeu hein. Retournez à la fusée, allez. Ça marche pas mieux. Oh merde. Sauvegarder et continuer, non ça a pas aidé. Oh merde. Ah attends, je peux peut-être faire le parachutage. Eh oui, c'est coincé. Mais non, mais tout est coincé. Bah relance le jeu. Oui, ça va pas. Parce que je comprenais plus, là. Ah.
N'importe nawak. Alors, jouer en ligne. Joindre une partie. Voilà. Non, pas créer une catégorie. Rejoindre la partie. Écrasement de carottes. Signe à Poltenewek. Ah, me revoilà à la normale. Aïe, aïe, aïe. Ouch. Oh, oui, on voit même les nuages en haut. J'avais pas fait gaffe. Alors... Oh! Ça va, tranquille? Là, 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 là. Attends, je vais changer d'apparence. Merde, je sais plus comment on fait. What? Oh, j'ai déjà un cadeau. Oui, customiseur. À quoi je vais ressembler? Tiens, Kai. Oh, yo, ninja! Oui, oui, oui. Voilà, au moins c'est poli, j'arrive avec un cadeau. Ding dong, bonjour monsieur. Viens dans le petit café. Oui, c'est ça, direct à l'étage, le mec il s'invite. Regarde. Oh mon dieu. Ce maestro. C'est beau. Oh yeah, joli. Oula. Attends, je visite du coup. Oh. Attends, je vais peut-être rendre le kit. Oui, quoi? Où ça? Coucou. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? Coucou. Ah. L'acrobate. Ça fait peur. Spider-Man. Burp. Alors... Ah ouf, non, j'escalade un peu trop là. Ah oui, si, je peux vraiment aller. Ah bah oui, c'est une tour. C'est vrai, c'est une tour. Le sage, du coup, dimanche matin, tu sais si tu vas pouvoir faire un stream ou tu le sauras plus tard? Non, je vais pas diffuser demain matin en fait. Je vais me prendre repos demain matin. Je t'avouerai même que je pense que je vais en profiter pour faire plein de trucs chez moi et un peu de ménage. Et je vais enregistrer ta partie, tu sais, avec Aerostar avant qu'elle s'efface de Twitch. Quand tu avais fait la dernière sur Resident Evil. J'ai jusqu'à mardi pour l'enregistrer et je vais le faire demain matin. Au moins, ce sera fait. Non, non, je diffuserai pas. Même lundi, à mon avis, je diffuserai pas. Ou je sais pas, ça dépend du soir. Je serai pas à quelle heure je serai dispo lundi. Et je... Je pense que je vais me manifester à vous sur le direct de Christella lundi en fin de journée. Et après, en fonction des infos que j'apprends, je prendrai mon antenne ou pas, je sais pas. Si vous l'êtes certain, mardi matin, vous pouvez être certain que mardi matin, je diffuse. Quoi, je sais pas encore, mais je diffuserai. Puis c'est surtout que je dirai ton agenda, fan. Je m'adapterai en fonction de ce que tu veux faire toi aussi en même temps dans la semaine. Mais c'est génial le jeu de balle qu'il nous fait là. C'est stylé. Ouch. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Comment la Coupe du Monde a été. J'ai le... Oh, c'est dégueulasse. Ce que j'ai diamant en main pour acheter la Coupe du Monde, tu sais, l'autre il me défonce. C'est horrible. N'importe quoi. Ah non, bien, bravo. Alors, attends, je vais peut-être changer un peu de plan. Oh!
On dirait le maître Wu, ça me fait un peu penser à Seigneur Raiden dans Mortal Kombat. Excellent. Attends, comment t'as fait pour les baraques, je sais plus. Eh oui, construction en briques, tu m'étonnes. Amuse avec son ballon. Ouais. Attends. Oula, oula. Oh! Oh vache. Oula. Oulala. Oulala. C'était pas de la petite construction, ça. Ouah. Un autre château, allez, soyons fous. C'est dément. C'est des modèles préprogrammés de construction, c'est absolument dément. Oh là là. Oh, pom-pom girl. Alors, c'était quoi le coup de l'enceinte qui disait, Nayonet? Honnêtement, je ne sais pas du tout, je vais regarder. Une enceinte, ce serait dans quoi? Dans les découvertes? Waouh! Il y a tellement d'éléments. L'enceinte de son, haut-parleur, il y avait de la techno. Ah, mais c'est peut-être un truc que j'ai pas à déverrouiller, peut-être. Enfin, que nous n'avons pas déverrouillé. Oh la vache. La liste interminable de trucs. Ah! Je suis dans la musique, là. J'ai le piano que je pourrais mettre. Merde, ah, j'ai zappé. Tac, 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 truc de bonbons. Oh, la liste interminable d'objets. Le boulot de modélisation qu'ils ont fait, j'ose pas imaginer. Ah, c'est un manège pour... Ah, là, voilà l'enceinte. Meuble d'enceinte. Ah ouais. Ah ouais. Vas-y, discothèque. T'es bon, ça. Ça, c'est rigolo. Excellent. Oh mon dieu! Vous allez bien sur le chat? Ils sont comme moi, ils sont HS. Bah oui. Mode violence. Attendez, sérieusement, je vais aller visiter les œuvres parce que... Ah merde, je l'ai mis en hauteur. Oh le con. J'avais pas vu que j'avais pas mis sur le sol, moi. Oulala, faut que j'apprenne à jouer, moi. Ah oui, ah oui. Je crois qu'il... Oui, il me faut un aéronef. Prends un grappin. Oh là, c'est trop haut même pour le grappin, là. C'est... Wouh. Non, attendez. C'est hélicoptère. De la polaïche. L'hélicoptère de la polaïche. Ah, c'est monoplace, je suis désolé. Oui, voilà. Comment on fait pour tirer sur le manche? Ah!
Comment ça marche? Ah, comme ça. Mais... Youhou! La 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 la. Je suis en orbite géostationnaire là. Oh mon dieu. Oui, c'est ça. Pardon, désolé la Jet. Je sais, t'es atterré, mais c'est Noël, hein. Indulgence, je vous prie. Youhou! Ah, je vais essayer d'atterrir. Si je peux. Bon, tais-toi la sirène, on t'a entendu. Ah, je peux pas atterrir sur la tour? Non, la sirène, j'ai dit non. Attends, c'est dur. Ah. Ah. Voilà, atterri. Oui! J'ai réussi! Voilà, ça c'est de l'atterrissage. C'est quoi ça? Oh mon dieu. Mais ils sont fous, ils font du breakdance. Ils font du breakdance! Oh la vache! Waouh! Et nous font le clip de Michael Jackson là. Eh B. Alors par contre, il y a peut-être un instrument qui va m'être utile. C'est la torche. Voilà, là au moins on voit quelque chose. Alors, visitons. Ah bah bravo. Comment je fais pour aller à l'étage inférieur, moi? Ah, c'est là. Oui, aïe, oui, aïe, 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 aïe. Alors, wouh, ça fait flippant. Mais merde, je veux pas escalader, je veux passer la porte, Nunuche. Arrête. Mais il est fou. Mais non, mais... Pourquoi il s'est accroché au mur, lui? Il est fou. On recommence. Ah. Non, c'est pas comme ça. Non plus. Je sais plus, ça y est, je suis perdu. Comment j'avais fait mon truc, moi? Il faut pas. Merci. Poser de questions, hein, le chat. Ne vous posez pas de questions. Et... Mm-hmm. C'est normal. Oh, c'est beau. Ça, c'est trop stylé. Éclairer à la torche, ça fait trop flipper. C'est quoi ça au mur? C'est une énigme. C'est une énigme. C'est bien, tu peux meubler. C'est rigolo. Attends, c'est le balcon intermédiaire, ça, je présume. Ah oui. Ouch. Alors c'est que la première demeure. On va faire la deuxième après, derrière, là, le temple asiatique. Attends, j'étais passé par où, moi? J'étais passé par là. Alors, la suite. En bas. Oh. Ah oui. Ah, je me suis viandé, c'était la sortie. Ok, c'était court, mais c'était bon. Donc, je n'ai plus d'engin aérien. Puisque l'hélicoptère, forcément, est resté en haut. Nul, le mec. Bah. Véhicule. Oula. Il y a de ces trucs? Je sais même pas ce que c'est. Jet hélico d'agent. Oh oui. Oh yeah. Oh, c'est énorme. Oh mon dieu. Oula, comment ça se dirige? C'est encore plus balèze que le que l'hélicoptère de la police. Oh mon dieu. Je peux tirer. Ah, comme ça. Mais attends, mais il a un sol. Mais non, mais il n'y a pas de sol en fait. Mais c'est horrible en fait. Oh là, j'aurais jamais dû construire comme ça. Au secours. Je te l'annonce, Jay. Ce temple doit être détruit et refait au sol. C'est scandaleux. Bum. Je vais rentrer comme ça. Comme un malfrat. Je suis le super méchant. Du. Ouch. Qui sait pas piloter, mais c'est pas grave. Ah. Ouh, aïe, aïe, aïe. Je me suis brûlé les fesses.
Ah oui. Ah ouais, eh, c'est vachement bien fait. Oh, c'est très très japonais, il y a les tatamis, tout bien. Mais qu'il arrête de s'agripper partout. Oh, c'est trop mimi. La table basse avec les petits coussins. Très japonais, très bien. Oh, je crois que le papier au mur, c'est du papier washi, on dit en japonais. À vérifier, hein. Mais je crois que les beaux panneaux muraux qu'ils ont là-bas, c'est du papier dit washi. Ah, trop bien. C'est vrai que les japonais, traditionnellement, ils dorment à même le sol. Ah, il y avait une partie de Go. Un hôtel. C'est bien, c'est cohérent. Très bien modélisé, très bien. Oh, le linge, tout. Non, même pas, c'est là où tu ranges les chaussures, ah oui. On se déchausse dans tous les lieux au Japon. Oh là là. C'est quoi ça? C'est la cuisine? Apparemment. C'est bien, c'est quoi ça? Non, c'est peut-être le téléviseur. Oh là là. Oh là 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 là. J'avais dit, il n'y a pas de sol. C'est fortiche. Tiens, je veux faire du skate. Je veux faire du skate. Oh yeah. C'est con. Et qu'est-ce que c'est débile. Où est-ce qu'il est, Jay? Aïe, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Yo. Oh, et Jay, il est parti vers les cieux. Oula. C'est... Oh là là, mais il est fou. Oh mon dieu. Pas possible. Qui fait? Ah! Un jardin effrayant. Oh! J'y vais en skate, yo, y va. Oh, c'est beau. Ça me plaît bien. Oh, ouvrez s'il vous plaît. Par le pouvoir de la flemme. Oh, la belle fontaine. Trop stylé. Ah, c'est beau. Mais c'est génial. C'est d'une poésie ce jeu. La 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 la. Ah, petit coffre. Il y a quelque chose dedans. Petit coffre. Ah, ah, j'ai tout dévalisé. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Oh là là. Di-da-di-da-dou. Da-dou-di-dou-da. Ouais, c'est bien, ils ont modélisé des petites plantes et tout. Alors, ma remarque va vous paraître étrange, mais j'ai connu un mod quand je jouais à Minecraft en famille. Un mod justement qui générait des cimetières comme ça. Mais j'y allais jamais. La seule fois que je me suis frotté, je me suis fait exploser. C'était des donjons ultra balèzes. Regarde où je suis. Alors, où es-tu, mon cher Edge? Oula, qu'est-ce qu'il a généré? Oh, l'autre, il fait du rock sur cette tour pétée. Alors, là, je te soupçonne de te laisser faire influencer par Seven Days to Die. Avec les restants de bâtiments où il reste plus qu'un angle. Quand c'est délabré. Tu dois savoir de quoi je parle. Oui, oui. Alors, c'est pas mon intention, mais ça doit être mon cerveau qui me guide inconsciemment. Oui, je crois. C'est stylé. Franchement, t'as la classe. Au sommet à jouer du rock, là. Trop fort. Trop fort. Attention, je tombe avec une grande classe également. Ici même. Le retour. Oh là là, là, avec le ballon. Aïe aïe aïe. C'est trop fort. Alors, les autres bâtisses qu'on peut générer comme des fous furieux. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Ah, il y a un phare, ça peut être sympa. Viens, on joue au ballon. Attends. Je vais poser un phare, moi, monsieur.
Alors, comment on joue au ballon? Et en fait, on dirige comme ça. On... Ah bah. Attends. Voilà, change ma torche. Alors, en marche. Tu cours avec. D'accord. Je cours avec le vent là. Attends, faut que j'apprenne. Mais oh, mais c'est dur. Ah, j'ai un décalage serveur. Ouais, c'est pas forcément le point. C'est pas facile quand t'es pas l'hôte. C'est pas évident. Et but. Non. Ah oui. Ah but. Ouch. Mais non, mais j'ai coincé ma balle. Reviens le ballon. Oula, oh le boxon. Ah oui, dégagement énorme. Toi. Bon, le foot, c'est pas mon fort, hein, désolé. Oh, c'est beau. Oh, l'intérieur est magnifique du phare. Oh, c'est tout équipé, c'est trop bien. Oh, l'escalier en collimation. Ah, bug de collision. On veut aller en haut de la tour du phare. On va vérifier si... Non, pas comme ça. Non, mais il est fou. Cet homme est fou, arrêtez-le. Mais non, c'est pas faisable. Mais arrêtez, au secours. Remonte dans l'escalier, va. Saligo, mais il est fou. J'arrive plus à contrôler mon personnage, au secours. Mais descends de là où t'es. J'en peux plus, au secours, descends. J'étais bien dans l'escalier, puis là, il fait fou. Pardon. Voilà, les mains dans le dos, c'est ça. Ah, il est allumé le phare. Yahoo! Yeah. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'il éclaire bien. Ah! Coco. On le ôtait. Oh! Oh! Comment qu'il m'a... Oh, saligo! Oh là là! J'étais instantanément coloré. Ah! Voilà. Tiens, tu mérites d'être pas en bleu. Allez, zou. C'est ma couleur par défaut, là. Je suis en mode Michou. Ce jeu, c'est n'importe nawak. Oh! T'as fait... truc stone. Les pierres anglaises, oui. Là, j'adore. Stone Edge, merci. Alors moi, il y a une théorie qui me plaisait vachement parmi les chercheurs scientifiques pour expliquer Stone Edge. C'est, envie de dire, une qui est la moins retenue, considérée comme excentrique. Mais moi, je la trouve excellente. Stone Edge aurait pu être un lieu de fête en commun, une discothèque. Si tu penses que les pierres sont disposées de manière à entretenir la réverbération du son. Ah ouais. Et je trouve l'idée géniale. Ce serait très drôle. Je te mets l'enceinte au milieu de Stone Edge, moi je te le dis. Vas-y. Et voilà. Discothèque. La plus vieille discothèque du monde. Stone Edge. Oh. Attends, j'arrive. Ouais. On va prendre quoi? Attends, ça m'empêche pas de générer d'autres bâtiments en attendant à côté. Oui. Ah! La maison pudding de Noël. Désolé si on entend de la musique, c'est chez moi. Ouais, mais y a pas de soucis. Ah mais par rapport au... Oui, ou de MCA, pas. Ouais. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Mince. Oh, je suis... On voit que j'y joue pas souvent à Lego, hein. J'ai du mal à avoir les bonnes touches.
Un vieux café. Oh, trop mimi. Oula. Le vieux café céleste. Oh, vivement que les fêtes soient terminées. Une nouvelle année. Mmh. Oh, mais j'en parle de l'invasion des voisins, moi. Ouais, je te comprends, ça t'exaspère. Soit disant, il y a ma chaîne qui vient pas, et puis enfin, si. Ah, ah. Là, là, là. Je t'avouerai, moi, j'ai la chance d'être peinard. Ah là là. Auberge des pirates. Oh, mais il y a trop de trucs. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a généré Edge. C'est le logo des créateurs. Ah, Traveler's Tale. Traveler's Tales. D'accord. Wow. Mais je n'ose imaginer le boulot d'heure de modélisation, de conception. C'est extra. Il y a vraiment des gars qui sont doués. Alors, le café des pirates. Visitons cette jolie structure de café des pirates. Il y a même le feu dans la cheminée. Oh la vache! La verticalité de l'escalier, c'est carrément une échelle. Ah ouais, avec les chambres pour chacun individuel. C'est une auberge à pirates. C'est le luxe. C'est le luxe. Le pudding de Noël. Maison pudding. On veut l'ouvrir. Attends, j'arrive même pas à cadrer. Mais... Ils arrivent à faire un workshop pour ça. Oh là là, m'en parle pas. Oh, il y a plein de poissons qui puent. On voit les émanations de gaz. Oh là là, mais c'est trop bien, c'est rigolo. Oh, le canapé que je viens de déboîter. Le principe du jeu, c'est comme Minecraft, mais en Lego, c'est ça? Oui. Dans les grandes lignes, oui, dans les petites, non. Mais oui, c'est de l'assemblage. Très primaire, parce que t'as les... En fait, t'as déjà tout sous la main avec Lego, enfin presque. Parce qu'en mode aventure, tu dois justement te promener sur les cartes pour trouver des éléments nouveaux que tu n'as pas dans ta collection. C'est l'intérêt du jeu. Entre autres, hein, y a les briques d'or, voilà, en faisant les quêtes des personnages. Un Lego Minecraft, j'allais dire un Lego Minecraft, mais pourquoi pas aussi. Tant qu'à faire. Hein. Alors c'est un quoi Lego ça Minecraft. Je sais plus. Après, je sais pas si deux univers très semblables peuvent s'associer, mais... Je ne me prononce pas. Même un Minecraft Fortnite Lego. Ah, ça peut oula, être. Oula, oula. Mais attends, mais pourquoi j'ai pas accès... Il y a une pièce dans le volume, ça va pas. Attends, il y a une autre entrée. Ah, oui. Tu mets l'univers Lego, tu le mets en mode Fortnite avec du Minecraft, ça peut le faire. Hein. À la place de construire, je sais pas quoi, des ponts, ils construisent des maisons. Ah, mais c'est la baraque des Jets. Mais en fait, j'ai découvert une autre façade avec un autre bâtiment. D'accord. Non, mais le phare, il est trop stylé, quoi. Trop, trop bien. Puis c'est bien, on est dans le thème, là. Le plan, là, on voit que c'est du côté lugubre. Le cimetière, la bâtisse défoncée. C'est trop bien. Ça fait cohérent. Le sage, je t'invite à me rejoindre. Oh, mon Dieu. Alors, je m'autorise à faire une grange et je te rejoins. La grange, je la mette... oui, bah là. Attendez, bougez pas. Nope. Alors, je vais prendre un véhicule pour rejoindre Edge. C'est aérien ou je peux venir par le sol? Je peux venir par le sol. Par le sol. Voiture d'agent. 4x4 police des marais. Motocross! Ah oui, motocross. C'est trop bien. Aïe!
Non, c'est pas le bon générique. J'arrive. Wow, le château. Oula. Non, je vais... Ah, encore que. Ah oui, c'est ça la marche arrière. Ah, si j'ai la marche arrière, je peux peut-être me démerder. C'est moi ou la marche arrière est plus rapide que la marche avant? Ah, je vais peut-être quitter mon véhicule, je te suis. Je t'invite à descendre sans regarder en bas. À descendre sans regarder en bas, oh vache. Alors attends, caméra vers le haut et je suis en bas. Quoi? Je me suis fait planter. Mais c'est horrible. Il y a des pics en bas. Wow, la retraite au flambeau. Merde, je suis en train de me cramer. Ah. Attends, je vais changer de personnage. C'est la magie de Noël. J'ai fait n'importe nawak. Oh, il y en a des persos. Oula. Une créature des marais. Oh mon dieu. Merde, j'ai merdé ma manip. Oh lolo lolo. En roqueuse, en robot. Ha ha! Merde, homme! Merde, comment je valide? Bah. Je veux valider, je fais comment? Attendez, excusez-moi. Ah, c'est pour en générer un! D'accord. C'est pas pour moi, je me suis trompé de menu. Ok. Ah oui, je me suis trompé de menu, moi. N'importe quoi. Je comprenais plus. Docteur Inferno. Ouch. Oh, oh. Oula. Oula là, très original. Ah, les petits soldats de plomb. Mécano des années 50. Oh, interpréteur de chant de Noël. C'est obligé. Ah oui, c'est obligé. Qui danse, j'adore. Non mais faut faire une chorale là. Au secours, je vais me barrer de là. Faut que je monte une chorale, c'est obligé. C'est trop drôle. Au secours, barrons-nous. Ouch. Attends, comment j'ai fait mon truc, moi? Voilà, je sais pas, je vais... Plein de voleuses, allez, c'est Noël. Une invasion de voleuses. Mais elle se barre vraiment en plus. Et là, tu chantes. Merde. J'y arrive plus. Mais est-ce qu'ils ont tous une chorégraphie? Faut que j'en mette des différents. C'est du délire, ce jeu. C'est génial. Attendez, attendez, je sais même plus. J'ai vraiment du mal avec les touches, hein, je suis désolé. Aïe, 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 aïe. On va y arriver, on va y arriver. Ah, bah une demoiselle scientifique, ça va de soi. Samouraï, allez, samouraï, allez. Enfer du beau monde. J'ai mal vu ou j'ai vu stripteaseuse? Ah, skateuse, pardon. J'ai les idées mal placées. Le jeu Lego. Bah oui, sur le coup, j'étais surpris. Femme Vikim. Oh là, il y a de tout. Allez, un villageois. Et c'est parti, en chanson.
Regardez comment qui danse. Ah, c'est génial. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, c'est magnifique, magnifique, bravo. Oula, oh, c'est cri. Oh, c'est énorme. Eh bé. Ouch, il me fait allumer. Aïe, aïe, aïe. Oh, il y avait un Minotaur, déconne pas. Oh là là, terrible. Lancez la vachette. Alors, au lit, un ouvrier barbu. Oh là là, chevalier maléfique. Wow. Oh, shérif. Oh, shot the sheriff. Da da di da 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 remedy. Oh, chercheur d'or. Ah, la bonne bouille. La bonne bouille. Oh là là. Garde d'Anubis. La déesse du combat. Wow. Le fantôme. Ah oui. Ah oui. Mais et le pire, c'est que j'ai gosse. J'ai eu la chance d'en avoir un en pièce Lego, en vrai, en dur. De... Et c'est vrai que le costume est en matière phosphorescente. Trop, trop bien. Allez, techno. C'est n'importe allez, quoi. Un petit clip. Tu peux. Merci. C'est sur la skateuse, stripteaseuse, on sait pas oui. Trop quoi. Non mais la séquence, elle était extra. Oh là là. Mais c'est une bonne idée. Au début, honnêtement, quand EJ m'a lancé le serveur en mettant je suis en mode bac à sable terre vierge, je dis bon, est-ce qu'on va réussir à faire un truc délirant? Et finalement, il y a tellement de contenu que oui. Je suis tellement habitué à démarrer sur une carte déjà toute faite. Mais là, pour Noël, l'idée était excellente. Il y a des persos qui courent partout. Il y a EJ qui est en train de faire des constructions de véhicules ou je sais pas quoi. Waouh, la folie. Alors, il y a quoi d'autre? Un grand pic volcanique. Waouh! D'ailleurs, petite question à aiguiller à peu près en moyenne. Les Lego jeux vidéo, ils en sortent combien dans une année? Oula, ça dépend s'ils sont sur un gros jeu ou pas. Généralement, on est sur 2-3 par an. Après, depuis quelques années, ils se sont calmés. Ils font pas toujours comme ça. Mais ça dépend. Non, mais quand même. Oui, oui, c'est sûr, mais après, dès qu'ils ont la base. Hein. Oula. Petit cottage. Comment je fais la rotation du. Ah, comme ça. Ok. Cottage 2. C'est pas le A que j'ai demandé là, si c'est le même. Ah non, c'est pas le même. Non, j'ai rien dit. Effectivement, c'est pas le même. J'ai rien dit. Oh, on peut faire la pyramide de Gizeh, dis donc. Attends, on va la mettre là-bas, la pyramide de Gizeh. Bah. Surtout que tu fais des trucs proches de l'Egypte là. Oh là là. Même si je suis pas allé jusqu'au bout, j'espère que Lego City il aura un jour une suite. Ah, je me souvenais pas que t'étais pas allé au bout de l'histoire. Pourquoi? Je sais plus. T'avais plus de temps dans ton agenda de diffusion?
Ouais, mais il faudra que je les reprenne de toute façon. Comme je les faisais sans casque, le son était pas top et tout. C'est comme Bully, il faudra, l'année prochaine on va les reprendre. D'ailleurs, Bully sur des séances plus longues, je le referai tout. C'est un jeu Rockstar et les jeux Rockstar c'est minimum 5 heures de stream. Une heure c'est pas. Donc je les reprendrai aussi, également les Lego, je les reprendrai aussi sur des séances de 3 heures, on verra. Ou des séances d'une heure à coupler avec d'autres jeux, mais tout avec le casque. Voilà, comme je referai le Duke, parce qu'il y a eu des séances trop longues, il faut que je réduise. Peut-être pas le premier épisode, il a plutôt une bonne durée de vie, mais les autres... Ouais. Si, il faut que je le refasse, j'avais pas le casque. Le Pong aussi, il faut que je le refasse. Rien que pour mettre les overlays, quoi. Ça vaut le coup de changer un peu la présentation. Bref, oh, sur le direct, faites ce qui vous plaît. Ouais. Là, c'est vraiment un mini chalet. Vincent va un peu râler, monsieur Favre. C'est pour bien commencer 2023, on faisait râler Vincent. Cabane en bois. Il y a de ces trucs, c'est la folie. Ah, bah le sphinx à côté, obligé. À côté de la, j'allais dire de la soucoupe volante, n'importe quoi, moi. Lapsus révélateur. À côté de la pyramide. Alors, je l'ai vu ce matin en visionnant la Solus de Tomb Raider 4. Je devrais visiter le Sphinx à un moment donné. Et c'est vrai qu'il avait été annoncé, si vous vous souvenez, dans l'histoire de Lara Croft. Elle était dans je ne sais plus quelle bâtisse égyptienne. Et c'est vrai qu'on avait vu la géographie du site de Gizeh, la pyramide de Gizeh, sans déconner. Ils avaient fidèlement reproduit les lieux. Et c'est juste énorme, quoi. Non mais les bâtiments... Ah merde, j'empiète chez toi, mon pauvre Jay. Faut que je fasse gaffe, t'es en train de me faire un terrain de foot, là. Putain, mais les bâtiments de fou... Ah, on n'a pas le temps d'aller partout, il y a trop de contenu. Ah, l'épicerie fine, je la mets à côté. Oh là là, trop bien. Oh, c'est beau, j'adore le rouge. Le rouge est ma couleur favorite. La banque à briques. Oh là là. Oh là 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 là. Alors attendez, il y a l'hôtel de ville qu'on va faire. C'est un peu étroit quand même mon truc. C'est t'y vas capi dans les ruelles là, c'est dur. Hop. Oh là là. Construisez des statues, des pyramides et des tours. Des statues en légende du lançage de Nancy. Merci Nayonet. Oh, c'est beau! Oh là 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 là! Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Petit Seb qui me fait un relais de chaîne. Bonsoir et joyeux Noël! Merci, petit Seb! Ah, tu files, à plus, Nayonette. Bon Noël, merci tout plein. Bisous, bisous, à plus. Le changement de saison. Petit Seb, alias Petit Biscuit. T'étais sur quoi, petit Seb? Merci pour le relais de chaîne. Ou je te retiens pas si t'es pressé de faire ton Noël. Joyeux Noël, lui, merci petit Seb, à toi aussi. Regarde, je suis le foufou avec Edge Club en Lego. Oh, c'est beau. J'aime bien la construction. Oh, c'est quoi ce truc? Crash Bandicoot 4. Oh, mon neveu, il aurait adoré. Mon neveu est fan de Crash Bandicoot. Oh la vache, oui, c'est un jeu qui est pas forcément évident. Est-ce que je suis content quand même dans le peu de dit match qu'on a fait, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. C'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Ah, il est pas trop mauvais, Tim, ça va. Bien sûr qu'il est pas mauvais. Labo de terrain. Aérostur. Bonsoir Aéro. Oh, bonsoir, je crois que tu étais là ce matin, Aérostur. Bonsoir Aéro, oui. Joyeux Noël!
Oui, bon réveillon, petit Seb. Passez de joyeuses fêtes. Merci du relais de chaîne. Et merci d'être passé faire un coucou. Bye bye, bisous, merci tout plein, petit Seb. Réveillonnez bien chacun de votre côté, vous avez bien raison. Moi, je réveillerai demain. Je suis en décalé. Et je suis content, je vais de mieux en mieux. Vous avez dû remarquer que ma fréquence de toussage et de mouchage diminue. Donc mon corps est en train de se rétablir. Oui, t'étais là, oui, dit Aeroster. Oui, bah oui. C'est... Wouah! Alors, je vais arrêter d'être le fantôme. Je vais changer de perso. Attendez, je fais des bêtises. Ah bah j'ai posé une brique rouge, par inadvertance. Je vais incarner quel perso? Il y en a tellement. Costume entier. Oui, c'est vrai qu'on peut faire des mélanges. Oh, le roi! J'ai jamais été le roi. I Je am the viens king in my de castle. remarquer quelque chose. Oui? Chaque objet, presque, a une interaction spéciale. Par exemple, là, j'ai mis des abris pour le joueur de foot. Oui. Et en fait, le personnage fait comme si qu'il était un entraîneur et qu'il s'énervait et il donnait des ordres aux joueurs. J'adore. Le réalisme de ce jeu est génial. Ah. Tiens, révérence. Oh yeah. Voilà, j'ai fait mon terrain de foot. Je peux changer les L'énergie. utilitaires. Attends, il est où ton terrain de... Ah merde, pardon. Je m'adresse à un joueur, je crois que c'était toi qui me parlais. Je viens de me faire voir comme un dos de Gronigo, mais non, mais t'es là-bas. Attends, excuse-moi. Je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre, je suis désolé. Je reste en lurk, que je reste pour le soutien. Bon réveillon, bonne année à tous. Oui, bonne soirée à tous. Oui, merci, bisous tout plein, héros. Bon réveillon à toi aussi. Nul le mec. Mon Dieu, je t'ai même pas reconnu, mon pauvre, excuse-moi. La 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 la. Michel au délire. Bah. Youhou! Oh! Merde! Oh! Con. Carton En plus, je rouge. suis con. Cette violence. Alors, faut que je le remette au même endroit. Et moi, je vais marquer le but. Enfin, si j'arrive à toucher la balle. Mais... Ah! Oh là. Ouch. Ah! Il me l'a reprise. C'est le but! Oh mon Dieu. Comment on fait? Bah, tant On pis. va Je reprends une. Hop là. jouer au mini-golf. Non, je déconne. C'est le point de corner. Ouais! Oh! Et le but! Magnifique! Oh, elle était superbe. Bien joué. La la li la la. Oh yeah. Oui, c'est bien, t'as pris tes repères, tu le fais trop bien. J'arrive Il y a même pas. autant de talent dans le jeu vidéo qu'en vrai. On te Il y en a croit. plus dans le jeu vidéo qu'en réalité. Ah! Mais je sais même pas frapper la balle. Alors moi, je rappelle que je suis pas l'hôte de la partie, c'est Jack et la gentillesse de m'héberger. Mais comme je suis pas l'hôte, j'ai un petit décalage avec la balle de foot. Ce Ah, qui je fait que... t'héberge. Ah, t'es chez moi. Ah ouais. Mais oui, c'est toi qui héberge. Oui. Mais oui, du coup j'ai un petit décalage, une latence avec la balle de football. Avec le ballon. Donc pour jouer, c'est vraiment balèze. Mais c'est pas Merde, j'ai grave, raté mon titre. on a compris l'intérêt. Alors, pardon, excuse-moi, je te laisse à ton foot parce que j'ai quand même plein de bâtiments à visiter là. Yes. Je sais même plus. Attends, ah, j'ai eu peur. J'ai cru vraiment à Tomb Raider qu'à un moment, qu'entre les deux pattes, avec l'obscurité, il y avait une entrée qu'on pouvait aller dans le Sphinx. L'ombre d'un instant, j'ai eu un doute. Bon, j'ai bien fait de m'équiper la lampe torche parce que. C'est quoi ça déjà comme bâtisse? Ah, chez Mimi. Un peu à l'étroit quand même dans les proportions. Mais c'est mignon. Bon, c'est des petites cabanes en bois. Encore que là, il y a un peu de roche. Ah! Mais qu'est-ce qu'il fait le roi? Mais messire, que faites-vous? Vous mangez la poudre d'entrée dans la tronche. Ah! Là, la cheminée, elle est éteinte. Il n'y a rien dedans. Bah, toi-même, eh, oh, parle mal le roi. Pff. Aïe, oui. Non, en haut, c'est un grenier.
Ah, il y a un monsieur. Non, une madame, pardon. Oh, la demoiselle, la pauvre. Ah, allons au sommet de la pyramide. Fait très égyptien avec le ciel étoilé, c'est magnifique. Oh là là, regardez-moi ce boxon. Ça fait quoi? Ça fait une heure qu'on joue là et. Le boxon sur la carte. On a généré trop de structure. Oh, il y a le feu de camp, faudrait que j'y aille aussi. Ah ouais, on l'a vu, on le voit bien du dessus ton stade de foot. Faut que je fasse les grandes bâtisses là que je les ai générées, mais on n'est pas allé à l'intérieur encore. Attends, je vais aller dans le camp. Trop bien. Oh, la marmite, le chaudron. Ça me donne faim en vrai en plus de voir le morceau de gigot dedans. Attends, quelle heure il est? Je vois pas. Oui, il va être 19h. Mais on va. Oui. Prochain live, il me demande si c'est pour faire du UT 2004. Si on est sur les MP de UT 2004, c'est pas pour parler de notre jeu. Ah oui, les grosses enceintes. Tu peux chanter avec le micro et tu peux jouer de la batterie aussi. C'est nappe. Excellent. Oh l'autre. Attends, je change d'instrument. Rien à voir. Oui, le rock, il en faisait... Oh! Ouf! Non, oui, non, c'est la folie. Ah oui, le lance-grappin, je l'ai pas essayé. Comment ça marche? Comment attends, je tire? Je suis con, pourquoi j'ai mis une deuxième guitare? Oh! Ça. Oh vache, c'est efficace. Une contrebasse, très bien. Là, j'ai l'impression de jouer à Lego Batman, là. La manière dont je gère le grappin. On est à Gotham, là, les enfants. Je veux faire sonner la cloche. Mais pas tiens. J'ai la mienne de cloche électronique. Il est 19h. Et c'est le boxon sur le serveur. Waouh, regardez-moi tout ça. Voilà. Belle vue d'ensemble, résumé de la soirée. Et j'ai pas tout visité. Oh là 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 là. Aïe. Oula. Oula là. Faut escalader un peu l'entrée. Oh là, c'est ultra lumineux. Oh, discothèque, c'est là qu'il fallait mettre les enceintes. Ouya. Wouah. Comment que ça pète en lumière. Non mais ça en jette. Trop bien. Et voilà. Le roi sur son trône. Attends, tout ce qui est plus logique. Oui. J'arrive. Ah, t'es là-bas. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Mon sujet va me rejoindre. Oh. Attends. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Yeah! Bien! Rock'n'roll de Noël, là, énorme! Ça y est, il a disjoncté! Mince, faut arrêter, Jay, il vient tout fou! Attends, j'ai quoi d'autre comme instrument à part le lance-grappin?
Ah, c'est quoi ça? Pour nuit, jour, je crois. Oh, vache! Waouh! Ça éclaire à 200%. C'est ça que j'aurais dû prendre depuis le début. On continue la visite. Oh, trop bien l'escalier multicolore. Oh, trop bien! Waouh, le lit à baldaquin. Oh, la table de travail avec le... On est chez Adidas, on reconnaît le logo. Ah, c'est excellent. Oh mon dieu, c'est énorme. En fait, ah, je c'est construis génial. Des choses et après le stage visite, c'est littéralement ça. Ah ouais. Au. Mais non, mais va pas sur le... Mais il est fou, ce roi est devenu fou. Non mais attends, non. Mais descends, mais lâche tout. Il est fou. Voilà, oh. Ah oui, c'est vrai. Alors, et ça c'est con. Mais le... Vous voyez le truc scientifique avec l'antenne satellite? Là, pendant un instant, je me serais cru dans Mass Effect. Dans Mass Effect 1, si vous vous souvenez, au début, il y a des trucs comme ça que vous devez visiter sur la planète. Et il y en a 2-3, mais c'est exactement ça, en fait. Mais trop bien, mais j'adore. Il y a des éléments comme la manette en bas en noir et blanc, monochrome, là. Ça me rappelle des éléments que j'avais la chance d'avoir en dur quand j'étais gamin. Mais c'est trop bien. Oh là là. Mais oui, mais même la roue mécanique, j'avais la chance d'avoir ça. Oh là là. Oh l'évier. On a même l'eau chaude. Il y a le petit caouet rouge. C'est le luxe. Oh l'échelle, je peux grimper au dispositif. Attendez. Oula, faut pas que je me fasse dégommer par l'antenne satellite et oh. Ils auraient dû le mettre à l'opposé, c'est dangereux leur truc. Ah, c'était translucide le toit du... Oh là là. Du labo. Du labo d'études. Mais... Oh, faut aller dans la bâtisse de 1891. Elle est énorme. L'hôtel de ville est trop beau. Ouvrez-moi la porte. Bon. Je suis le roi. Entrée solennelle. Oula, c'est quoi ce truc? Oula. Ah oui, mais oui, forcément, conseil municipal, cette pupitre du maire. C'est obligé. Et ça, c'est la petite porte qu'on t'est virée. C'est littéralement ça. T'as la grande et la petite porte. Oh, attends, il y a des sous-sols. Bah. Ah non! Ah, c'est... Oh là là, le souci du détail. C'est la petite grille d'aération au niveau du sol. Ça, c'est le bureau de travail. Ouais, la secrétaire. Ou le secrétaire, hein, c'est pas forcément féminin. Oh, le balcon. Attends, j'ai plus envie d'être roi. C'est génial. Le jeu qui satisfait tous tes caprices. Un zombie. Soyons zombies. Non, il fait peur. Oh mon dieu. Bonhomme en pain d'épices. Oh, c'est Mimi. Trop bizarre. On peut le dire, il est à croquer. Oh, c'est quoi ce bureau? Stylé. Ah, ça va être le bureau du maire, il est trop stylé. Alors, attends. The Lego News. Mais, il y a un truc d'écrit, hein. The quoi? The Lego News... Oui, déjà, allume et zoom. Non, mais allume et zoom. Oh, non, j'ai trop zoomé. The... Ah, merde. J'arrive pas à lire. The Lego News, quoi? The... The greatest Lego hero ever. Ah, merci. Thank you. Le plus grand héros Lego de tous les temps. C'est ça. Merci pour la lecture. Oh, la salle de gym. Non. Alors, je t'invite à me suivre. Oui, après où es-tu? Après ta visite. Alors, je suis déjà sorti. Non. Ah, bah attends, j'arrive. Je suis dehors. Attends, c'est bon, ça. Oh mon dieu. Blague. Une petite blague du Gorafi. Je vais pas vous faire toute une truc de presse, mais Cléopâtre, reine d'Égypte antique, qui inventa en 52 avant JC la colle,
qui porte son nom et qui fut utilisé dans l'assemblage de nombreuses pyramides. Alors ici, voilà, petite salle de gym avec des de tout ce qu'il faut, les bancs, les haltères. Ouais. Ici pour la musique, batterie, contrebasse, guitare, micro et les enceintes avec attention tapis de danse. Ah oui. Effectivement. Oh oui, stylé. Moi je l'ai en couleur. Je sais pas si toi ça fait de la couleur. Oui oui, ça fait la couleur, c'est juste que bon bah le jeu est pas codé pour qu'on le voit l'autre. Ah mmh. Oh, c'est énorme. Voilà, je reprends mes rollers. Oh ensuite, oui. Yeah. Allons par ici s'il vous plaît. Oui, je te suis. Voilà, le stade de foot. Tout le monde l'a testé. Opérationnel. Totalement. Le camp romain, voilà. Oui, je l'aime bien. Il est magnifique. Ah, ça, là, le singe, peut-être, ça pourrait t'intéresser. Ce que dit le Gorafi, oui. C'est peut-être libre arbitre. Concept inventé pour faire croire que l'homme a le contrôle de l'existence au sein de la matrice. Oui, c'est bien résumé. Oui, c'est vrai. Attends, comment t'as fait pour avoir les rollers? C'est un dans équipement. Ah oui, c'est dans l'inventaire. J'avais les... Ou alors je me prends un véhicule, attends. Après tout. Attends, je reviens dans les véhicules. Ah, un vélo, tout simplement. Tout simplement, un vélo, ça m'ira très bien. Vas-y, je te suis, AJ. Et donc, le camp romain, en fait, moi, j'essaye de mettre, par exemple, d'aligner, de tout aligner. Par exemple, les camps romains, tu verras, ils sont parfaitement alignés. Mmh. Oui, c'est vrai. Tu as bien bossé. Ah, celle-là, elle est intéressante. Elle est vraie. Il parle d'une personne, il marque. Le Gorafi, il a réalisé le rêve de sa vie. Être propriétaire à Paris. Et c'est ce que tu vois, une photo d'un cimetière. Ouf. Dur. D'un côté, c'est pas faux. Hein. Ça coûte ouais. Tellement cher à Paris que... Bah même les concessions de tombes, ça doit coûter bonbon. Tiens, d'ailleurs, je peux vous en annoncer une en parlant de cimetière. Enfin, bonjour la magie de Noël, mais bon. Dans ma ville, ils vont... À partir de l'année prochaine, on pourra plus mettre de fleurs artificielles sur les tombes. Ça devrait être que des naturels. C'est dans l'air du temps. Alors, AJ, vas-y. Dis-nous petit tout. Petit camp pour les explorateurs. Alors, le petit plat, voilà. Petit réchaud. Ouais, c'est ici, bien. Ici, les bagages, le lit, la tente. Attention, le lit. Oh oui! Trop stylé. Ah! Oh. Et ensuite, pour le désert, la tente du désert, le réchaud du désert. Yeah. Et un étal. Voilà. Yeah. Oh merde! Monsieur. Je suis désolé! Heureusement que c'est infini. Oui! Ah! Ah! Il est pas rancunier du tout! Tu m'as satellisé! Ah, c'était énorme! Hein? Quoi? Tu regarde moi. Mon signal, tu m'as satellisé! Ouais? Ah. Très loin! Ça va faire l'objet d'un clip, c'est énorme. Allez, je te suis. Je te jure, c'est pas moi. C'est quand t'as posé l'objet. En fait, j'étais sur un endroit occupé à ce moment-là et blam. Ah, ok. Il m'a mis une baffe, mais intergalactique, quoi. Le jeu, je me suis retrouvé à l'autre bout de la carte. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai rajouté. Après, il y a d'autres projets en cours. Hein. C'est okay. comme hier avec Poupon et Christella et Cyborg. Voilà. Ah, merci, c'était cool. Bon, je peux pas rester sur une dernière blague de cimetière. Après, j'arrête le graphique, je veux pas. Oui, t'as raison. Homme, fruit inventé par Jacques Chirac lors de la campagne présidentielle de 1995. Cette blague vient que quand Jacques Chirac était candidat, il disait moi, j'étais pomme. Eh ouais. Et avec le pommier et tout. Et les guignols en ont fait un même télévisuel, on va dire. Ouais. Les mêmes existaient avant Internet, je suis désolé de vous le dire. Eh oui. Oh, le barbecue.
énorme. L'autre, il est carrément dans le barbuck. Il est fou, ce mec. Oh mon dieu, arrêtez-moi tout ça. Ton personnage. Ouais, c'est un éventail. Ah. Bah pourquoi il fait pas peur aux oiseaux, alors? Parce qu'il y en a pas. Ah. Il y a pas d'oiseaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est pâtisse. Tu perds sa tête, il peut se mettre dans un barbecue, on en est plus là. Hein. Oui. Oh, le lit, énorme. Un truc de fou. C'est-il pas beau, Mao? C'est la magie de Noël. Youhou! Ah! Alors, il y a quoi d'autre à visiter? Attends, je vais ranger mon... Ah oui, alors... Attends, ça c'est l'hôtel de ville. Ça, j'ai pas fait. Le magasin de savon, je sais pas. Ah, c'est une laverie! Eh oui, en lisant soap, le savon, effectivement, ça correspond. Lumière, s'il vous plaît. Alors, Daily Babbler. Three come to life. Ah, l'arbre revient à la vie. Ah oui, c'est un truc de... Halloween. C'est un conte qui fait peur. Mais attends, j'ai... Plan projet, Oui. Plan projet maritime. Attention. Oh. Oh, les petites lettres, tout ça, le présentoir. J'ai un petit portrait du pont de San Francisco, le Golden Gate. La porte en or, là. La porte d'or. Enfin, je traduis tout, je devrais pas, mais c'est un nom commun. Ça devrait aller. Je peux ouvrir le coffre. Vous allez voir après comment le jeu est très modulable. Oh oui. Je fais peur en coffre. La. On peut aller à l'étage, mais qu'y a-t-il? Ah, un bureau. Oh, l'horloge, trop bien. Oh, il y a encore un autre étage. Oh, c'est une... Oh merde, je suis encastré. Attention, j'ai mal ouvert la porte. Oh. Oh, trop bien. Nayone qui parlait de statue tout à l'heure. Là, il y a une belle statue de perroquet contre la fenêtre, trop bien. Oh là là. J'ai le portrait du maire et il est pas très content. Il y a du feu dans la cheminée, il fait bon par ici. Ah ouais, ah oui, c'est par là que j'étais arrivé par le lance-grappin. Eh oui, j'avais escaladé le comme un fou furieux au début. J'allais dire il y a un oiseau, mais non. Non, c'est bizarre. Ah oui, c'est l'aventure de la... Ok, de la bâtisse. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Il y a la structure. Voilà, Dragon Sky, je sais pas s'il va le faire. Mais il m'a dit que peut-être, en 2023, il va se renommer Ragaming. Oh, ce serait pas mal, Ragaming. Ça pourrait lui aller bien. Pas des poissons là-dedans. Ah. Poisson. Je cherche un poisson. Attends, je vais incarner un autre personnage. Eh ben. Peut-être. Waouh. Chercheur d'or, non, j'ai déjà fait. MacLeod. Ouf. Ouais, allez, le shérif. J'ai pas fait le shérif tout à l'heure. Oui, il peut ressortir la lampe, là, parce qu'il fait vachement sombre. Oh! L'ordinateur de travail. Descendons. Oh, miam! Cuisine avec une saucisse. Oh, café! Trop bien! Ah, je peux faire le sifflet? Ah! Excellent! Je peux siffler.
Qu'est-ce que enregistre ce machin? Bah, je peux pas ouvrir la porte. Ah oui, non, il faut que je me déséquipe du... La logique du... du jeu. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour des constructions. Je sais plus, je suis allé dans la... Oui, dans la baraque, oui. Et on y allait... Bah, je crois que voilà. Tout a été fait. Comment qui danse le shérif? Ya YMCA version 2022. Woo! Énorme. Donc elle est pas creuse. C'est vrai que je peux détériorer les... C'est horrible, hein. Mais je suis en droit de détériorer les œuvres. Paysagisme, ouais. Et on va vérifier comme quoi elle est creuse, la pyramide. Merde, j'ai rajouté des trucs. C'est pas ce que je voulais faire. Mince. Pff. Ça y est, ça commence. Oh mon dieu. Comment je fais pour le élever mon truc? Non, ça c'est la taille, c'est pas ça. Ah, au bas, c'est comme ça. D'accord. Ah ouais. Ouh. Et si je veux supprimer... Ah si, elle est creuse. Attendez, on peut rentrer dedans. Mais il y a quelque chose à faire dans les pyramides. Ouah, trop stylé. Là, on dirait que c'est Indiana Jones. Bon, non, faut pas qu'il regarde la caméra, mais... Comme ça, on aurait pu croire que c'est Indiana Jones. Trop fort. Eh bien, j'ai fait une découverte. Incroyable, mais vrai. Ah, je vais reprendre mon vélo. Mon vélo... Ah, je n'ai pas vu, j'ai la lumière avec. Je t'invite à me rejoindre. Oui, je vois que tu es loin. Tu prépares quelque chose. Qu'est-ce donc? Oh, un oasis de détente. C'est-il pas beau? Ah oui! Et tu peux... Je t'invite à aller dans l'eau pour montrer aux spectateurs la beauté de l'eau. Ah oui, je vais même faire une photo, tu vois, attends, c'est... Voilà, j'ai merdé. Attends, j'ai merdé. Comment je fais ma photo? Alors, info. Prendre une photo X. Ah, en fait, il me le dit pas, mais là, je les prends, les photos, en fait. D'accord. C'est quoi, ça? Ok. Attends. Oula. Non, oula. C'est quoi l'autre instrument? Bah oui. Ah, c'est un pistolet. Ah oui. Ah oui, ça déconne zéro. Attends, pardon, je vais aller nager. Comment on fait? Non, mais non, je veux pas le menu, je veux... Comment je fais pour nager, moi? Je commence à faire des brasses. Oh! Ouch! Oula! Oulala! Oula! Qu'ai-je fait? Ça y est, la caméra devient folle. Arrgh. Comment je fais pour plonger, moi? Ah, c'est peut-être parce que j'ai zoomé. Oh, on voit des méduses. Faut maintenir B. Ou c'est de la... Oui. Faut maintenir B. Ou c'est des bulles. C'est des bulles. Oula. Marcheur. Wouh. Le truc trop flippant. Le bandit. Oh, extraterrestre. Oh, pff. Voilà, j'ai équipé ma lanterne pour... Zayn. Oh, c'est beau. Alors, faut rester appuyé sur B. Ah oui. Oula.
D'accord, et t'as creusé ça, c'est un modèle préprogrammé ou c'est toi qui l'as fait? Je l'ai fait. Oh, t'es un chef. T'es un chef. Alors, pour ceux J'ai qui fait n'auraient pas avec remarqué. juste Yahoo. Ah ouais, très bien. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, vous voyez, il y a même le logo Lego sur chaque pièce, hein, comme en vrai. C'est. Voilà, là, voilà, vous l'avez vu. Bon, Lego. Là, j'ai mis des roseaux. Là-bas, j'ai mis un coffre. Ah oui, c'est stylé. C'est beau. Ah, t'as été bien inspiré. Tu. Ouch. Comment je retrouve ma vue normale, moi? Ah, c'était pas mal, mais. Ah, comme ça, peut-être. Alors, les. Oh! Ouch! Oh la vache! Wow! Oh! C'est complètement pété! Ah. Oh oui! C'est énorme! Ah oui. Et attends, je peux tirer? Oh oui! Feu! Non, attends. Feu! Non, comme ça? Non, pas comme ça. Ah, j'ai pas compris. Comment je fais le tir? Bah, ils disent attaque quoi? Je comprends pas. Comment je fais le tir? Oula, oula, oh! Un peu de végétation, c'est si soudain. Bah, escalade. Ah. La la li la la li la li la li loula. C'est n'importe quoi. Ah. On va passer au-dessus. Allez, ninja. Allez, le ninja. Oui. Il est passé au-dessus. Youhou. C'est beau. Oh, regardez-moi cet horizon avec le soleil. Alors, aucun rapport avec Noël, mais d'avoir vu la vue un peu à l'américaine, là, avec le. Je pensais à la chanson. Je sais plus pourquoi j'ai repensé, quelqu'un y a fait référence. Bah, je crois que c'était chez Aeroster. La chanson excellente américaine, Joe, œil de coton. Cotton Eyes Joe. Cotton Eye Joe, digga di no, where did you go? Cotton Eye Joe. Elle est excellente cette chanson folklore country, je crois qu'on peut la classifier comme ça. C'est bien, tu fais la végétation, je vois ça. C'est rigolo. Oula, je suis pas dans le bon mode. Oulala, je suis pas dans le bon mode. Faut que je reste appuyé. Découverte, que je me fasse un nouveau véhicule. Reste à savoir lequel. Alors là, je vais être entre guillemets condamné à de l'aérien. Hélico cargo de la jungle. Oui, c'est exactement ce qu'il me faut vu ma situation. Cette circonstance. Oui! Sérieux? C'est le klaxon de l'hélico. Hein. C'est pas une défaillance. Ok, tout va bien. Oula, 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 comment je dirige l'appareil? Ah mon Dieu! C'est bon. Alors, c'est la carte au trésor. Nous sommes actuellement à la recherche de l'équipe bleue qui a déjà deux indices ce soir. Franchement, on s'y croirait, là. Et puis c'est marrant, tu vois les personnages indépendants qu'on a générés tout à l'heure qui font leur vie. Mais c'est extraordinaire. Oula. Waouh, le samouraï, c'est bien comment il tient son épée. Là, on le voit un peu en bas de l'écran. Merde, j'arrive pas à diriger l'hélico, au secours! Ah, j'ai pas mon brevet de pilote, pas encore.
qu'est-ce qu'il est monté au sommet du château, lui. Attendez, je vais refaire le tour, je vais prendre la direction du château. Oula, je suis trop haut. Oulala, là là, comment je descends, je sais plus. Ah, c'est comme ça. Mais il va se tuer, l'autre, il est au bord du... Il fait le mariole sur le... Oh là là. Sur le bord de la... du donjon. Et Jack, il se déplace vachement vite, je sais pas ce qu'il fait. En roller, pour ça. Ah, voilà pourquoi. Attention, j'arrive. Oh, en roller, c'est très rapide. C'est bien ce que t'as généré. J'adore. Sympa. Attends, bah là, pour le coup, ça fait... Je peux pas monter avec toi. C'est un monoplace, je le crains. Merde, attends, je vais pas écraser tes végétaux. Attends. Oh là là, je sais pas piloter, c'est une catastrophe. Regarde, je suis désolé, c'est monoplace. Ah oui. Désolé. Attends, je vais essayer d'en prendre un biplace. Ah. Je vais essayer regarder s'il y a. Et dans... Véhicule volant. Est-ce qu'on n'essaierait pas ça et tu montes sur une des ailes? Un pneu d'évasion, ce sera pour plus tard, hein. C'est trop bizarre. Le Spirit alors, of... of... Oui. Ah oui, attends, anecdote. Attends. Anecdote sur cet avion. Ah, vas-y voir. Attends, si tu pouvais mettre ta caméra sur le... Le quoi? Il y a un nom sur le côté de l'avion. Ah bon? Avec ah, oula! Spirit of Louis avec une tête d'aigle. Oui, et en fait, pour moi, hein, c'est une inspiration du Spirit of Saint Louis que Charles Lindbergh avait utilisé pour traverser l'Atlantique. Il est le premier à avoir fait l'avion. Ah, réponse. Ah si, ça marche. Oh mon dieu! Ça marche? Ah oui! C'est énorme! Accrochez-vous les enfants. On va partir à l'autre. Tu peux atteindre les nuages en haut ou pas? Chiche. Attends les nuages. Ah! Mary Poppins. Vengeance! Je vais le rejoindre comme ça. Ah non, ça allait vite comme dans Retour vers le futur. Je peux pas faire un truc de fou avec non plus. Attendez. Vengeance! Je vais prendre mon avion aussi. On va y arriver, bougez pas. Non, ça c'est les instruments, ça c'est. Burp. J'ai même une mitraillette, je peux faire la troisième guerre mondiale. Eh ben. Ah bah, moto de McLeod. Entre les avions. Entre les arbres plutôt. Un avion fantôme. Un biplan. Bah, c'est ce que j'ai lu. Ah oui, d'accord, c'est ton biplan. Attends, l'avion fantôme. Oh, il y a plein d'avions quand même. Petit avion. La luge du Père Noël, c'est trop mimi. Waouh. Oh! Le scooter de l'espace. Ah mais je peux pas. C'est pour faire de la lévitation, le truc. Oh mon dieu. Bop. Ah, un avion de voltige. Ha ha. Eh oui, c'est ça qu'il me faut. Allez, c'est parti. Je vais me casser la figure, vous pouvez être certain. Comment ça se dirige? C'est pas mal. Attendez, on va essayer d'atteindre les nuages. N'allez plus haut, n'allez plus... Oh, l'autre, il se prend pour une DCA, au secours. C'est la guerre. On essaye de m'abattre. Il m'a touché. Ça a fumé, au secours. Ils sont où les nuages? On s'envole vers les nuages. Ah! Mais ça a une portée de fou, ta DCA. Ah! Oui, les nuages. Mais... Oh, t'as dégommé le nuage. Le nuage, il a perdu des briques. Je passe en dessous.
Ah oui! C'est beau! La féerie de cette séquence. Mais attends, mais il est à côté de moi, c'est pas possible. Oui, je suis à côté de toi. Il me rend fou. Pardon. Ah mince, j'ai percuté les nuages. Il est passé au-dessus. On l'a vu. J'ai percuté le nuage, j'ai atterri sur le nuage, j'ai reculé, du coup l'avion est tombé, mais j'ai réussi à le remettre en place. Oh là là. Pilote. Bravo. Attendez, moi je vais tenter un atterrissage là. Oula, 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 oula. Et pour redescendre de perte de l'altitude, faut un délai quand même. C'est énorme. C'est extra. T'as vu tout ce qu'on a fait? Ouais, c'est vertigineux. Wouhou! C'est pas le bon endroit pour atterrir. J'aurais mieux fait de faire une pile d'atterrissage. On aurait pu. Heureusement qu'il y a le phare. Normalement, c'est pour les navires, mais là, c'est pour les aéronefs. C'est quoi ça? Je m'en souviens pas là-bas. Qui c'est que ce truc? On va atterrir à côté, on va aller voir. Atterrissage. Ah, stop! Oh mon dieu. J'étais. Oh! C'est un truc de mine! J'ai atterri sur le... Ah oui, je sais ce que c'est. J'ai compris, je sais. C'est énorme. C'est trop bien fait. J'adore. Aïe! Je suis le ninja de la mine. C'est rigolo. C'est beau. L'autre qui est luminescent là-bas au loin, le bâtiment, on le voit partout. J'ai pas fait gaffe de nuit, mais il doit faire plus de lumière que New York a du tout seul. Il rend jaloux le phare qui est à l'opposé. Alors, attends, autre véhicule. Attends, déjà, j'ai changé de perso. Est-ce que j'étais allé tout en bas? Je ne sais plus. Oh! Alpiniste. Oh! Et je trouve un air de Jean-Claude Van Damme. Il me fait penser à Jean-Claude Van Damme, le mec. C'est trop bizarre. Bref. Ah, c'est troublant. Quoi? Tuk-tuk du nouvel an chinois. Ah oui! Ah oui! Je veux ce véhicule. C'est n'importe quoi. C'est énorme. Ah, c'est génial. Ni hao. Comme ça qu'on dit bonjour en chinois. Oh, c'est beau. Je fonce vers la lumière, le soleil couchant au niveau des pyramides. Où es-tu, Edge? C'est merveilleux. Attends, je monte avec toi. D'ailleurs, c'est ton véhicule que j'ai volé puisque j'ai ton immatriculation. Je me tiens à la barre parce que j'ai peur. Et tu peux klaxonner aussi. Non, sérieux? Non, il n'y a pas de klaxon. Ah si. Oh mon dieu. Voilà, terrain de foot. Ah oui, musique. Oh merde. Désolé, j'ai loupé le virage. Oh non. Non. Je construis une ville pour le maire et il la détruit. C'était un accident. Oh là là. D'ailleurs, on va faire le test et tu vas pouvoir conclure qu'au final, tes projets tombent à l'eau. Bon. Ah. Excellent. Aidez-moi. Ah, oh, ah. Le véhicule chinois, il était piégé. Oh, puis il fait des émanations encore. Oh, la violence. Excellent. Tout a été conçu, c'est génial. Ah, il y a quoi d'autre? Oh, le boxon. Mince, attendez, je ne sais plus. J'y arrive plus. Ah, il y a le tuk-tuk de la police. Non, mais ils sont sérieux. Attends, canon laser. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, moi je vais devoir te laisser. Eh ben, merci d'avoir animé cette soirée de lumière de Noël. Je sais plus ce que je dis.
Je vais te... Laisse-moi t'allumer. Burp. Oh non. Waouh, mais c'est énorme ce truc. Merci d'avoir participé. Joyeux Noël à tous. Oh, oh, c'est horrible. Non, je dégomme les arbres. C'est scandaleux. Le mot de la fin est pour toi. Merci de nous avoir regardé faire nos conneries là. Et j'espère qu'on reprendra ce monde dans de futures aventures. Ah, c'était cool, merci. Joyeux Noël tout le monde. Noël à tous. Et à très bientôt. Merci tout plein. Merci Edge, profite bien, à plus, bisous. C'était génial. Voilà, Lego World. Worlds, on peut le dire au pluriel avec un S. Ah, écoutez, je vais vous laisser là, on va faire un relais de chaîne. Ouais, il est bientôt 20h. Je vais manger paisiblement, moi, des lasagnes. Ah, je mangerai beaucoup plus classe, c'est demain, moi, pour ma part, que je fais mon Noël. Bref, ah, c'était extra, on a rigolé comme des gosses, là. C'est magique, c'est merveilleux. Alors, je regarde rapidement le chat. Ça n'a pas bougé, hein. C'était très calme, évidemment, tout le monde réveillonne. Mais voilà, non, ça va. J'espère que j'ai mis devant en personne. Non, bon, c'est bon. Merci à... J'ai pas fait les remerciements ce matin, pas bien, quand j'étais sur Tomb Raider. Merci à Poupon qui a renouvelé son abonnement, adorable, merci tout plein. Merci Petit Seb Live qui m'a fait un relais de chaîne tout à l'heure. Il était sur Crash Bandicoot 4, le célèbre Crash Bandicoot. Merci à vous toutes et toutes de votre présence, voilà. Moi j'ai envie de dire ma bonne nouvelle de Noël, c'est que je suis en voie de totale guérison. Là à mon avis, demain, je touche du bois, demain j'ai plus de symptômes, je suis en pleine forme. Donc cool, je retrouve la santé. Comme dit Christella, bon réveillon et bon repas à tout le monde. Ouais, bon app, merci. Alors, pendant que je regarde à qui je peux faire un relais de chaîne, le grand mystère, qui c'est qui diffuse le réveillon de Noël? Il y a du monde. Oh, il y a du monde. Ah, je serais tenté de vous mettre chez Boson, qui nous fait de l'Empyrion Galactic Survival. C'est le Minecraft qui se passe dans l'espace et j'aime bien. Ça me ferait bien ma soirée de réveillon de Noël à moi peinard dans mon coin. Que je dirais pas non. Ouais, ouais, ouais. Ah, Boson 69. Je programmais le relais de chaîne chez lui. Alors, quant à nous, moi je vous dis, je pense honnêtement à mardi matin. Peut-être, vraiment au conditionnel, peut-être à lundi en fin de journée. Mais je pense que je me manifesterai sur le direct de Christella. Christella, elle va diffuser normalement aux environs de l'heure du goûter, 16h30, jusqu'en début de soirée. Je présume que Poupon va diffuser aussi lundi. Le lundi soir, il fait de 21h à 23h. Fun Fan, j'ai pas encore regardé son programme. Mais il diffusera sûrement aussi. Non, à mon avis, je pense que lundi, je vais me reposer, je vais me prendre pour moi la journée. Et, quitte éventuellement, j'aurai peut-être l'occasion de me faire un enregistrement hors antenne, ça peut m'arriver. Ou, voilà, moi je vous dis plutôt à mardi, vérifiez toujours sur mon Discord. Bon, je pense que ceux qui sont là connaissent. Mais je pense que c'est mardi matin que je reprendrai mon antenne sur je sais pas quel jeu. Je risque de décider pur plaisir au moment de me réveiller en me levant le matin. Et quand j'activerai l'ordi avec OBS. Voilà, profitez bien. Merci d'avoir été là. C'était pas prévu le Lego Wars, mais c'était féerique. C'était magique. Je pense qu'on a participé à la magie de Noël. On était tous des grands enfants ce soir, c'était très bien, ça pouvait pas mieux se passer. Allez, prenez soin de vous, bisous, moi je me retrouve mardi matin. Ciao, ciao. Merci, merci. Le haut avec le vaisseau. Pour te soulever comme un hélicoptère.
On va chez Boson 69.